Bienvenue à chacun et à chacune. Alors, j'avais envie pour cette nouvelle année 2017 de vous inviter à laisser votre être s'exprimer totalement, c'est-à-dire à accepter d'être qui vous êtes dans toutes vos dimensions, dans toutes les parts que vous n'avez peut-être pas encore montrées jusqu'à aujourd'hui. À vous révéler, à oser vous révéler encore davantage. Alors, en astrologie chinoise, on parle d'années yin ou d'années yang en fonction des années paires ou impaires. Et donc, en 2017, on est dans une année yin, une année yin avec l'élément feu qui se présente pour nous sur cette année. Ça veut dire que l'élément feu va se présenter sous sa forme yin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, chacun va y mettre ce qu'il a envie. Qu'est-ce que c'est cet élément feu pour vous dans votre vie? À quoi vous l'associez, cet élément feu? Et comment vous allez pouvoir l'amener dans une dimension yin, féminine? Et puis, donc cet élément feu, ça peut être quelque chose de très puissant, quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur comme un élan créateur. Donc ça peut être votre créativité, ça peut être la force de l'énergie sexuelle qui vient vous habiter, qui va vous traverser et qui va s'exprimer d'une certaine façon en 2017. Qu'est-ce que c'est l'élément feu pour vous? Ça peut être la vie. Le vivant, se laisser traverser par ce vivant avec beaucoup de douceur. C'est ce que va nous amener le yin, l'énergie féminine cette année. Cette année, je la ressens vraiment effectivement comme une année douce, une année où il n'y a peut-être pas l'obligation de se lancer de grands défis. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas réaliser vos grands rêves, mais peut-être que ça peut se faire avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour vous-même, beaucoup de respect par rapport à là où vous en êtes. Alors on rentre dans une année une, on l'a beaucoup entendu, donc démarrage d'un nouveau cycle. J'aimerais vous inviter à ne pas vous mettre la pression sur ce que vous allez démarrer et à laisser les choses venir à vous, à ne pas chercher à ce que ça arrive, à provoquer quelque chose, mais à vraiment, comme dans cette énergie yin, à accueillir, à recevoir, à ouvrir grand vos oreilles, vos antennes et tout ce que vous pouvez pour ressentir dans votre cœur ce qui va résonner juste pour vous. Et qui va être le début peut-être de ce vers quoi votre être a envie d'aller. L'invitation également, c'est de continuer à profiter de l'hiver hein, pour intérioriser encore tout ça. Aucune précipitation. Voilà, prenez le temps de ressentir cette chaleur intérieure. Prenez le temps de vous connecter pour laisser venir à vous les intuitions. Et faites le pari peut-être de suivre ces intuitions à un rythme qui est le vôtre. Vous n'avez rien à prouver à personne. Faites-vous juste plaisir. Faites que cette année puisse vous permettre d'être qui vous êtes, mais juste pour vous, véritablement pour vous, pour personne d'autre. Je vous souhaite également de vous rapprocher de ceux qui vous sont chers, d'apaiser, de réparer,
de réunifier les liens avec la famille. En tout cas, c'est une année qui est favorable à ça. Encore une fois, selon ce qui est doux pour vous. Et donc vraiment profiter de ces quelques semaines-là, ou en tout cas là où j'habite en France, le temps nous invite à rester au chaud pour faire cette introspection et découvrir là où vos pas vont vous porter, là où votre chemin qui est déjà tracé, qui existe déjà, va se dessiner de plus en plus précisément pour vous, va se révéler à vous tout au long des mois qui vont arriver, qui vont se présenter. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie et laissez-vous aimer par elle. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois de janvier. À bientôt.